aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, première vidéo de 2020. Bon, il y en a une qui est sortie sur ma chaîne, elle était pas tournée en 2020, donc... Mais attendez, on est en 2021, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Ok, on recommence. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est mes résolutions 2021. Je me suis dit que là, il fallait que j'en fasse. J'ai pas fait de vidéo l'année dernière sur mes résolutions. Je n'avais pas de résolution et heureusement parce que j'aurais pas pu les appliquer, je pense. J'ai fait ma petite liste de résolutions. Pas trop de résolutions, le but c'est pas d'avoir une énorme liste. Le but c'est d'avoir des petites choses qui sont assez importantes pour soi-même, pour se sentir bien, pour accomplir de nouvelles choses et être fier de soi. Donc il faut pas avoir une énorme liste parce que sinon c'est pas une bonne idée. On va dire que les résolutions c'est un peu comme des objectifs, voilà, les résolutions. Voilà, c'est une nouvelle chose qu'on veut accomplir, donc pour moi c'est un peu comme des objectifs, voilà. Et donc je ne vous ai pas souhaité la bonne année, mais très bonne année à tous, je vous souhaite plein de bonheur, une meilleure année que 2020, dans tous les cas je pense que tout le monde a besoin d'une meilleure année que 2020 globalement. Plein de bonheur, une très bonne santé, de l'amour, de tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez je vous le souhaite, voilà. Alors j'ai ma petite liste et donc j'ai 8 résolutions. Première résolution qui est je pense une des plus importantes, c'est de moins stresser. Alors moi je suis une grosse stressée de la vie, on va pas se mentir, je peux stresser pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que le soir je pense à quelque chose pour le lendemain et ça peut m'empêcher de dormir pour très longtemps, plusieurs heures. Et franchement j'ai vraiment besoin de moins stresser parce que ça a vraiment mis ma santé dans de mauvais états. Ça m'a causé un ulcère, donc je pense que là c'était le signal d'alarme qui me disait, on dit détends-toi, je stresse pour tout et n'importe quoi, c'est un peu chiant. Là c'est vraiment ma résolution, me détendre, prendre du recul et se dire ce n'est pas grave, ce n'est pas important, on se détend, on se calme, lâcher prise, changer d'air, voilà, se contrôler. Ça c'est ma première résolution et je pense que vraiment c'est celle que si j'arrive à l'appliquer, et je vais réussir à l'appliquer, est la plus importante. C'est vraiment la chose qui m'a gâché mon année 2020 en plus du Covid, voilà. Deuxième résolution, c'est une résolution qui est aussi importante pour ma santé, c'est cuisiner plus chez moi et plus sainement, parce que avec les vidéos, j'avoue que avant j'avais tendance à mieux cuisiner pour moi et cuisiner chez moi surtout, et j'avoue que là avec les vidéos, bah j'ai moins de temps et moins d'envie, et comme je suis plus stressée, j'ai plus envie de mal manger, donc je mange des petites bêtises et c'est pas bon pour mon corps, ça joue sur mon énergie, sur ma santé, etc. Donc j'aimerais beaucoup plus faire des courses parce que je fais jamais de courses, de vraies courses. Maintenant j'ai l'impression que ça m'arrive vraiment quasiment jamais. J'achète toujours quand j'ai envie de quelque chose, je vais dans une la petite supérette à côté de chez moi, je l'achète, ou alors je commande à manger, ou je prends à emporter et tout. Enfin franchement c'est pas le top du top. Donc ça c'est quelque chose que je veux vraiment vraiment changer, parce que c'est pas bon pour ma santé ni pour mon portefeuille, on va pas se mentir. D'ailleurs s'il y a des personnes qui vivent seules, dites-moi comment vous gérez ça. Est-ce que vous arrivez à faire à manger chez vous sainement? Parce que moi quand je fais à manger, j'avoue qu'en ce moment c'est vraiment genre des pâtes, des trucs qui me font plaisir entre guillemets, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment j'y arrive pas. Ensuite mon troisième objectif que j'aimerais beaucoup tenir, ça c'est on va dire un plus, c'est de faire 10 minutes d'abdos tous les jours. Alors les abdos sachez que vous pouvez le faire tous les jours déjà, c'est pas comme le reste du corps, par exemple si vous voulez travailler vos cuisses, vos fesses, vous pouvez pas forcément le faire tous les jours, c'est pas très bon pour vos muscles. Les abdos en revanche vous pouvez le faire tous les jours. C'est vrai que faire mes abdos c'est ce qui me fait le plus de bien mentalement en fait. J'ai l'impression que voilà, quand je me lève le matin, que j'ai fait des abdos la veille, je me sens trop bien dans ma peau, je me sens vraiment bien, légère, et il n'y a pas forcément besoin de faire tout le corps, de faire 3 tonnes de cardio, 3 tonnes de ci, 3 tonnes de ça pour se sentir bien, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup en fait je suis bête parce que parfois j'ai la flemme de faire du sport, du coup j'en fais pas du tout parce que je m'imagine une énorme séance avec 30 000 exercices, avec du cardio, du ci, du ça, alors qu'au final si je faisais déjà 10 minutes d'abdos, je sais que le lendemain je me sentirais mieux. Donc du coup abdos, je me dis 10 minutes ça va, tous les jours je peux le faire, même enfin juste avant de me doucher je le fais vite fait, 10 minutes vous pouvez, vous avez vu les vidéos de Pamela Ref sur YouTube qui durent 10 minutes pour vos abdos, sont trop bien, tous les jours si possible, du moins vous voyez, sauf le week-end, mais en semaine, voilà, le matin avant de me doucher ou ce genre de moment. Il y a une période où j'arrivais vraiment à faire du sport tous les matins, mais en fait maintenant j'ai plus le temps. Quatrième résolution, objectif de l'année, c'est mieux gérer mon temps et me fixer des horaires. Mon gros problème qui fait aussi que je suis stressée et qui fait que je mange mal et qui fait que je ne fais pas de sport, c'est le temps que j'ai dans ma journée. En fait je suis très organisée comme fille, je note tout, je programme tout. En fait j'ai l'impression que je programme trop et du coup j'ai trop de choses à faire dans une journée, donc peut-être que je pourrais m'organiser différemment ou je sais pas. Justement le but c'est de trouver des solutions pour mieux gérer mon temps, mais je pense que ce qui est plus important c'est de fixer des horaires. Par exemple je commence à 8h ou je commence à 9h le matin, je termine à 18 ou 19h max le soir. En ce moment
c'est pas du tout ça, surtout pour les vlogmas, c'était une cata parce que je filmais du matin au soir et du coup je filmais toute ma soirée et une partie de la nuit, parfois je finissais à 3h, 3h30 et tout. Le montage donc c'était du grand n'importe quoi parce que le matin j'étais quand même obligée de me lever tôt. Donc ça j'avoue que c'était difficile, mais voilà, déjà ça c'est mort, ça il faut plus que ça arrive. En fait il faut que je me fixe une deadline, vraiment que je me dise ok bah si je finis pas à 19h ça sera demain. Et c'est ça qui dans ma tête est dur parce que du coup ça me stresse, je me dis mais demain j'ai d'autres tâches à faire donc comment je fais. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne, mais vraiment je vais me forcer. Je pense que 19h c'est bien parce que 18h c'est trop tôt, j'arriverai pas à faire tout ce que j'ai à faire, mais 19h je pense que c'est bien honnêtement. Comme ça après je peux enchaîner direct de 19h à 20h, je peux ranger chez moi, traîner un petit peu, être sur mon téléphone, regarder peut-être une série ou quoi, et 20h voilà je peux commencer à me faire à manger et ensuite ma soirée, voilà quoi. Donc on verra, ça c'est vraiment, ça me changerait la vie quoi. C'est dur de travailler toute sa soirée, tous les jours en fait. C'est ça le truc, c'est que si c'est une fois, de temps en temps, bah c'est normal hein. Parfois on a des imprévus, parfois il faut travailler plus, c'est comme ça. Mais quand c'est tout le temps, c'est, bah en fait on a plus de vie, donc c'est pas très cool. Cinquième, alors celui-ci, c'est le plus dur. Économiser, alors c'est terrible, je pense pas être mauvaise à ça, c'est juste que j'ai pas envie d'être bonne à ça en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai toujours voulu m'acheter, depuis des années, depuis toujours, comme par exemple un beau sac. Vous avez vu peut-être dans mes derniers vlogs que je me suis acheté un beau sac Yves Saint Laurent. Toutes ces choses-là, je pouvais pas me les payer avant, donc maintenant j'avoue que j'ai pas forcément... Si j'ai l'argent pour me les payer, j'ai pas forcément envie de les mettre de côté, alors que c'est des choses que je veux tellement et que je me dis il faut bien, j'ai travaillé pour ça, il faut bien que j'en profite. Alors je mets quand même de côté hein, mais j'ai vraiment pas beaucoup hein. Et c'est vrai que je dépense beaucoup dans plein de bêtises en fait. Je suis très très mauvaise en fait à gérer mon argent. Déjà je regarde pas souvent mon compte parce que ça me stresse quand je le regarde. Mais ce que je fais en fait c'est que je vous ai déjà expliqué un peu comment je faisais, mais en général par exemple vous savez quand j'ai un tournage par exemple avec Beauty Studio, pour ceux qui connaissent pas j'ai fait plein de vlogs là-dessus, n'hésitez pas à les voir sur ma chaîne. C'est les pubs grains de beauté que vous avez sur Snap. Eux par exemple ils me payent, donc ils me payent sur mes factures. Les factures par exemple ils me payent tant, je me dis ok ce Beauty Studio là je le compte pas dans mon argent du mois, ça va de côté. Et en fait je fais ça pour pas mal de choses en fait, pas mal de rentrées d'argent. C'est comme ça que j'arrive à mettre de côté. Et en fait il faudrait que déjà que je mette plus de côté, vraiment que je vive avec peu d'argent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin même si je vis pas avec beaucoup d'argent, mais je veux dire avec vraiment moins que ce que je vis maintenant, pour limiter un max mes dépenses et même mettre sur un compte bloqué complètement. Ça faudrait que je le fasse. Puis voilà, et surtout moins dépenser dans des bêtises. Au lieu de faire des grosses courses dans des magasins moins chers, je vais par exemple dans des supérettes acheter tout ce dont j'ai besoin pour mon repas du moment. Toutes ces mini dépenses vraiment idiotes que je fais à la supérette ou dans des boulangeries, ou en fait c'est surtout en nourriture hein, je me rends compte. Je m'achète pas tant de vêtements que ça, pas tant de choses personnelles en fait, pas tant d'objets, pas de... Là j'ai acheté un gros sac, mais je veux dire j'achète pas plein de vêtements chez Zara tous les mois ou plein de maquillage tout le temps, pas du tout. C'est surtout la nourriture en fait, donc faut vraiment que j'arrive à gérer ça pour pouvoir mieux mettre de côté. Et à ce moment là après si j'ai assez de côté je peux me faire des plaisirs aussi, acheter des belles vestes ou des belles chaussures ou des beaux sacs etc. Donc ça c'est mon objectif, j'en ai vraiment besoin croyez-moi. C'est une catastrophe. Autre objectif qui vous concerne un petit peu, je veux être plus présente sur Instagram. Sur YouTube je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Mais sur Instagram j'avoue que parfois bah il y a des petits trous. C'est à dire que bon, déjà poster des publications c'est franchement c'est dur pour moi parce que je poste pas tant que ça sur Insta, sachant que je passe mes semaines. En fait vous pensez que ma vie est incroyable, mais non, je suis enfermée chez moi toutes les semaines et j'essaie de filmer un maximum de vidéos, de les monter, de faire des miniatures, de faire ci, de faire ça, ça prend du temps. Je me repose en ce moment, je suis pas chez moi, mais je veux dire, j'avoue que bon, c'est dur de poster quand on est chez nous, quand on est malade, quand on est fatigué, etc. De poster des photos incroyables sur Instagram, quand il pleut dehors, vous voyez tout ça, c'est pas facile. Donc mon objectif c'est de poster plus sur Instagram. Au niveau des stories, ça va, je suis quand même assez présente. Parfois j'avoue que je poste moins que d'autres, mais là je pense que là déjà depuis le 1er décembre je me suis remise à fond sur Instagram. 1er décembre, 1er janvier, mais qu'est-ce que je raconte aujourd'hui. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à aller voir sur Insta, je poste plein de stories, vous voyez plein d'actualités. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner, m'envoyer des messages, je vous réponds. Et du coup voilà, j'avoue que ça serait pas mal que je poste plus en publication. Voilà. Après tout, c'est censé être mon métier quand même. Donc il faut faire des efforts sur certains trucs, même si on a du mal, il faut se forcer, c'est comme ça. Et il me reste 2 résolutions, des résolutions un petit peu santé. Ça serait me coucher avant minuit. Avant j'y arrivais trop bien. Franchement, je me couchais avant minuit, je dormais trop bien. Parce que quand tu te couches avant minuit, parce que quand tu travailles pour toi-même, t'as pas d'horaire qu'on te fixe, donc c'est très dur de se structurer soi-même. Quand tu vas dans une boutique ou au bureau ou je ne sais où, tu sais que tu commences à 9h, tu sais que tu dois te réveiller à 8h, sinon tu vas te faire virer. Donc. Mais quand c'est pour toi, c'est dur de se motiver.
surtout quand tu travailles chez toi. Et quand tu te couches avant minuit, forcément, à moins que tu dormes 10 heures, mais personnellement, je dors 10 heures que quand je suis vraiment explosée. Mais en général, je dors à peu près 8h, 8h30. Si je me couche à minuit, je me lève à 8h30, max, c'est trop trop bien parce que je me lève tôt, je me couche tôt, j'ai du temps pour faire des choses, donc c'est vraiment cool. Et puis surtout, on dort tellement mieux si vous dormez 8h en vous couchant avant minuit. Vous allez beaucoup mieux dormir que si vous dormez 8h après minuit, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, si vous êtes dans la même situation que moi, croyez-moi, le sommeil est complètement différent en fait. Avant minuit, c'est dingue. Et il faut se forcer. Moi, la technique que j'ai, là, il faut juste que je reprenne, mais la technique que j'ai pour me remettre dans le rythme, c'est je me force en fait. Imaginons demain, je veux me lever à 7h. 7h, faudrait se coucher à 23h. Personnellement, là, je trouve ça infaisable, mais allons-y, je me couche à 2h. Donc, tant pis, je vais me forcer et demain, je vais mettre un réveil à 7h. Je vais être crevée, je vais le faire pendant 2-3 jours, je vais être crevée, mais ensuite, je vais être dans le rythme parce que le soir, je vais être tellement fatiguée que je vais me coucher beaucoup plus tôt. Donc, ensuite, ça vient tout seul, quoi. Et ça, c'est vraiment mon objectif 2021. Il faut structurer cette vie un petit peu plus. Et ensuite, dernière résolution, c'est boire 2 litres d'eau par jour. Alors, avant, je buvais 1,5 litre par jour. Vraiment 1,5 litre d'eau par jour. Une bouteille comme ça, je l'ai là, de cristalline. 1,5 litre par jour et je me sentais très bien. Et j'ai même ensuite bu 2 litres d'eau par jour. Je me suis forcée à boire plus, c'est-à-dire que je buvais 1,5 litre plus des tisanes, ce genre de choses. Ça faisait vraiment 2 litres. Et en fait, déjà, la peau est beaucoup plus jolie. Tout est beaucoup mieux, en fait. Notre énergie, notre peau, on se sent mieux, plus léger. L'eau, c'est vraiment... On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment indispensable pour le corps. Et je me sentais beaucoup mieux. Et là, j'ai complètement perdu le fil. Je vous ai dit, ma vie est partie en cacahuète depuis septembre. Là, je ne prends plus soin de quoi que ce soit. Donc là, je veux vraiment me reprendre en main. Et voilà, 2 litres d'eau, pardon, par jour, c'est le top du top, quoi. Si vous pouvez le faire aussi, on peut le faire ensemble. Qui est prêt à commencer le challenge avec moi? 2 litres d'eau par jour. Donc voilà pour mes résolutions. S'il vous plaît, me laissez pas toute seule avec mes résolutions à essayer des nouvelles choses. S'il vous plaît, dites-moi vos résolutions. Qu'on fasse un peu les choses ensemble, que je me sente moins seule. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Vous y retrouverez plein de petites choses et je réponds à tous vos messages. Donc voilà pour cette vidéo résolution 2021. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.